Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soumi, I just had a terrible, terrible night with baby crying for hours, he's growing teeth. I'm smashed. But he is sleeping on my back at the moment, so I was taking this opportunity of a bit of a quiet time to enjoy and let you enjoy a bit of reading. Proceed with the reading of chapters 21 and 22 of The Little Prince, Le Petit Prince. So this is my almost last video. There will be two more coming and we'll be done with the reading. As usual, I will share the screen but also a link to the full text if you don't have Le Petit Prince in French with you yet. So let me share screen. Voilà. And this is today the most famous, which I think is the most famous chapter of this book. Ok, chapitre 21. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu? Dit le renard, dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Oh, viens jouer avec moi, dit le petit prince. Je suis tellement triste. Ah, je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, dit le petit prince. Puis il ajouta. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Ah, je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, c'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là. Vous voyez ici l'image d'un chasseur. Un chasseur. Non. Ah, ça c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé est pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as les cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera me souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé.
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. « Je veux bien, dit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » Alors, je vais vous montrer l'illustration du petit prince et du renard. Alors, attendez, il y a quelque chose là. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain, revint le petit prince. Et alors, regarde la jolie illustration. Wow. C'est celle du chasseur et du renard dans son terrier. Bon, d'accord? C'est un trou avec de la terre, un trou dans la terre. C'est un terrier. Donc, le lendemain, revint le petit prince. Ah, il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens à n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Ah oui, il faut une routine, il faut des habitudes. Qu'est-ce qu'un rite? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est jour merveilleux, je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. « C'est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. « Bien sûr, dit le renard, mais tu vas pleurer. « Bien sûr, dit le renard, alors tu n'y gagnes rien. « J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince s'en fit revoir les roses. S'en fut revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes.
puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Chapitre 22. Alors, I forgot to look this one up, but it's about the meeting with an aiguilleur. Alors, if we talk about train tracks, un aiguillage is the moment when the tracks split. Right? Et l'aiguilleur is the man who needs to, pull a lever and to like to put the like to make the trains go one way or the other, like at the fork. Okay? Donc un aiguillage et la personne s'appelle l'aiguilleur. He's going to meet an aiguilleur. If you know the English word, put it in the comments, please. Chapitre 22. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Que fais-tu ici, dit le petit prince. Je trie les voyageurs par paquets de 1000, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. Et on a en sens inverse un deuxième rapide illuminé. Ils reviennent déjà? Demanda le petit prince. Ah, ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur. C'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient? On n'est jamais content là où on est, dit l'aiguilleur. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les premiers voyageurs? Demanda le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. Fin pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. I'm happy he didn't wake up, but I'm not going to go for another two chapters right now in case. Okay, take care, prenez soin de vous, restez à la maison et à bientôt et joyeuse Pâques si vous fêtez Pâques. Happy Easter if you did celebrate Easter. Au revoir!